Bonjour les amis, on se retrouve dans le DLC de Elden Ring en version 1.12.3. Nous sommes au site de grâce Ruines de Mourte. Si vous ne savez pas comment venir ici, vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers une vidéo qui vous montrera comment faire. Et on va aller ici. Il y a une croix de Mikella et il y a un nouveau site de grâce. On va aller l'activer. On va traverser la route, on va longer ici la petite montagne et on va grimper là où c'est possible et on va se mettre vers le site. C'est parti! Donc on part dans cette direction-là. Vous voyez là-bas la montagne qu'on ne peut pas gravir, les rochers. Donc on va les longer, donc on fonce, on fonce, on fonce. Normalement, c'est pas les gravir ici, donc on va foncer comme ceci. Et on va attendre d'avoir la possibilité de passer ici le long de la route. Faites attention, il y a des ennemis un peu partout. Ici, vous pouvez grimper. On est là. Et hop, on voit maintenant la croix, les PNJ et tout le tralala. On y est. Nous y voilà. Nous sommes au site de grâce Croix de la Chaussée Royale. On a ici probablement une esquille de l'Arbre Monde. Ici, on a une croix. On va la toucher. Ici, on a un personnage. Hello again. Did you meet my compatriots? They're quite the congregation. From places as far and wide as you can imagine. Doubtless it have all come to blows at first glance. Were it not for the charm kindly Mikella put upon us, this is what allows us to serve together. The work of a living God. L'interroger sur le moine taciturne, l'interroger sur le Kerastien partir, c'est donc Leda, la chevaleresse de l'aiguille. Oh, that man is known as Dane. He's been in the service of Mikella the Kind longer than I. He might be solemn of cheer, but is a fierce warrior nevertheless. There's no cause for concern. Dane's reluctance to speak to you is no fault of your own. We've been acquainted for quite some time, but even I am yet to hear his voice. Perhaps one day. L'interroger sur le Kerastien. Wondering about the Horn Scent, are you? True enough. In any other circumstance, he'd be at our throats. Long ago, Queen Marika commanded Sir Mesmer to purge the Tower Folk, a cleansing by fire. It's no wonder the Horn Scent holds the Urtree in contempt. That aside, man is by nature a creature of conquest. And in this regard, the Tower Folk are no different. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war, but it's still a wretched shame. On va partir. Il y a encore un PNJ ici, il y a encore un objet là. On obtient la missive du moine. Et animaude que le meilleur l'emporte. Voilà la missive du moine. Lettre avec un message succinct et une illustration de moine posant les mains jointes. Retrouvez-moi à l'est si vous souhaitez suivre la voie du guerrier. Vous m'y déférez en combat. Les mots sont inutiles. Eh bien voilà. Et alors on a encore un personnage ici. You have a knack for timing, my fellow. I found the site of a new cross. Take this. On obtient une nouvelle carte de croix avec des croix de Mikella. On peut la consulter depuis l'inventaire. Voilà la nouvelle carte de croix, je vous la montre. Carte rudimentaire griffonnée par un kérastien récemment corrigée indique l'emplacement de croix dorées fraîchement découvertes. Les croix sont en quelque sorte les empreintes de pas de Mikella ou bien des pierres tombales qui symbolisent tout ce qu'il a laissé dans son sillage. Et bien voilà, on a donc plusieurs PNJ, le kérastien, Leda, la chevaleresse de l'aiguille et on a récupéré aussi une esquille. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring.